depuis le Moyen-Âge, pratiquement, si vous voulez, et au 19e siècle notamment, les étudiants se logeaient comme ils pouvaient. Il n'y avait pas l'idée de créer quelque chose spécialement pour les étudiants. Donc il fallait qu'il y ait un exemple. Tout ce que je sais, c'est que si ça a pris corps, c'est que Émile Deutsch a décidé d'y mettre de l'argent et de créer le premier objectif. Donc ils ont construit ça, et juste après la guerre de 14, en 1922 ou 23, on a construit la cité, la fondation Deutsch. Et moi, j'ai connu à l'âge de 6 ou 7 ans la fondation Deutsch. J'ai assisté même à la première pierre, qui était dans une zone où tout autour, pas loin, il y avait des tas de baraquements provisoires. Il y avait ce qu'on appelait la zone. Enfin, à cette époque-là, il y avait les fortifs, c'est-à-dire les anciennes fortifications, où moi-même, comme enfant, j'ai joué. À jouer à la guerre là-dedans. Le jour où j'ai assisté à la première pierre de la fondation Deutsch, il y avait des tas de curieux qui étaient venus, parce que c'était pas du tout courant qu'il y ait une réunion qui avait l'air un peu officielle à côté de ces baraquements qu'on était en train de démolir. Et je sais que il y avait beaucoup de curieux qui venaient, au point que la photographie que je dois avoir quelque part, où on voit les autorités avec leur chapeau de forme en train de mettre la première pierre et de mettre une pelletée de ciment. Mais parmi les curieux qui étaient penchés sourds, il y avait le garçon boucher qui était là avec son uniforme de garçon de boucher. C'était pas du tout un truc organisé, très officiel. Et les curieux s'étaient assemblés autour. C'était assez bizarre. Mais enfin, l'idée donc était donc de recevoir les étudiants dans des bonnes conditions, dans des bonnes conditions de prix, dans une espèce de ségrégation, au sens qu'il y avait des bâtiments pour les hommes et des bâtiments pour les femmes, au départ, et dans un endroit où la Fondation Deutsch, au début, avait des organes. Il y avait même un restaurant. Par la suite, ça a disparu, si vous voulez, parce que c'est la cité universitaire s'est développée, et il y a eu la fondation internationale. Mais l'objectif initial de Émile Deutsch, je ne sais pas s'il pensait à faire une cité, mais je crois que l'idée de développer au point ce qui était une fondation, au point d'en faire un ensemble, qui était la cité universitaire, non seulement une fondation, mais une cité, est venu de ce qu'ils ont intéressé le ministre de l'Instruction publique, qui s'appelait Honorat. Moi, je vois souvent les gens qui s'arrêtent devant la plaque sur le mur du pavillon central. Et je trouve que c'est un beau discours. Vous avez une version raccourcie ici dans le grand salon. C'est un don qui était fait pour une classe d'étudiants. À l'époque, cette classe était une classe d'étudiants plutôt français, masculin. Mais ensuite, cette catégorie a changé un peu de caractère, mais c'est toujours la même catégorie. C'est les étudiants peu fortunés, d'origine modeste, qui peuvent faire des études, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour une vie décente. Émile Deutsch-Zermürt avait envie d'aider cette population-là. C'est une chose qui se passait beaucoup au début du siècle. Dans cette même partie de Paris, il y a surtout les fortifs, on a construit des bâtiments en briques rouges, ainsi que dans beaucoup de quartiers de Paris. Des fondations, souvent, qui sont reconnues d'utilité publique, qui sont des endroits qui accueillent des familles modestes. Et il y avait un grand mouvement d'hygiénisme, de toutes sortes de choses qui faisaient que Deutsch-Zermürt, 20 ans après les grandes mécènes de tous ces bâtiments qu'on voit très bien à Paris, il a
Ils voulu faire la même chose pour les étudiants. Une chose importante qui explique la forme de vos chambres et toutes sortes de choses, c'est les idées hygiénistes du début du siècle, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'air. Vous avez des volumes de chambres très sympathiques. Vous avez même ces ventilations, que vous le voulez ou non. En hiver, il y a l'air qui entre et tout ça. C'est une idée que si on vit dans un endroit qui est trop enfermé, c'est mauvais pour le cerveau, c'est mauvais pour le corps. C'est une façon de dégrader les gens socialement. Émile Deutsch de la Meurthe a acheté un terrain spécial pour la fondation, alors que toutes les fondations ultérieures étaient simplement implantées dans un endroit qui était disponible, mais ne disposaient pas, si vous voulez, de jardins appropriés pour en faire vraiment un ensemble de vie. Mon père, qui avait beaucoup visité l'Angleterre, connaissait certaines universités anglaises qui sont d'un type très différent, qui sont quelquefois, et on lui a reproché d'être inspiré par ça pour faire cette, et même on lui a reproché l'architecture de la Fondation Deutsch en disant, mais c'est, or il se trouve que l'architecture de ces campus anglais qui datent de la fin du Moyen Âge, si vous voulez, était une époque où le style d'architecture était franco-anglais. Le développement des gothiques s'est fait à la fois en Angleterre et en France. Quand il y a eu la guerre de 39-40, il y a eu l'occupation allemande, les Allemands ont mis la main sur Rodin et ont transformé en hôpital. Un hôpital pour les militaires. Pendant les années d'occupation. On s'est aperçu, juste après la guerre, alors après avoir remis en état la Fondation Deutsch, que les étudiants étaient obligés de subir des tas d'examens physiques. Ils étaient obligés d'aller dans 6 ou 8 endroits différents, des hôpitaux différents à Paris. On a donc créé, pour éviter que les étudiants aillent aux 4 coins de Paris et perdent beaucoup de temps, on a créé à la Fondation Deutsch, dans le pavillon Curie, la médecine préventive. On a pris comme exemple les usines de fabrication qui partent du cochon pour faire de façon plus rationnelle possible des saucissons, des jambons, etc. Et donc il s'agissait de faire des opérations bien précises dans le minimum de temps et avec une organisation. Alors ça a été assez amusant à faire. Donc les étudiants se présentaient à l'entrée, se déshabillaient, ils accrochaient leurs vêtements tout de suite sur un système que j'avais installé avec qui faisait circuler les vêtements jusqu'à l'autre côté du bâtiment, de façon qu'ils les retrouvent à la sortie, et ensuite ils passaient successivement dans des bureaux d'examen, tout ça, pour les avoir tous, et à la fin ils avaient donc passer en 1 heure et demie ce qu'ils avaient l'habitude de faire en 6 endroits différents de Paris. Toutes les chambres ont été transformées, plus ou moins, dans la mesure où on n'a pas. Ils ont même commencé à défigurer parce que ils ont voulu mettre des fenêtres plus isolantes et je m'en suis aperçu un jour. Moi, je m'en occupais pas, je m'aperçus sur le boulevard qu'on avait mis des fenêtres en polystyrène. En PVC,
Et je me suis dit, mais c'est pas du tout le style d'origine. Et je suis intervenu, et ils ont arrêté ça, et ils ont trouvé depuis une solution pour faire des fenêtres isolantes, tout en gardant ce caractère des petites fenêtres à petits carreaux, qui est en harmonie avec le style de l'architecture qu'on peut pas changer. C'est vraiment une chose que j'aurais jamais imaginé qui allait m'arriver, mais c'est arrivé. Un couple qui habitait à la Deutsch 49 ans avant que je sois à la Deutsch était venu me frapper à la porte pour me dire que on s'est connus dans cette chambre. Ils m'ont demandé de visiter la chambre et tout pour voir s'il y aurait quelque chose qui a changé. Quand le monsieur il est rentré, il m'a dit tout est parfaitement comme avant, rien n'a changé, sauf que il y avait moins de bordel que ça avant. Donc j'ai rigolé et je lui ai dit bon, avant c'était chambre de dame parce que dans ce bâtiment-là, c'était que des dames. Et à un moment, la dame, elle m'a dit que quand elle faisait son mémoire de DEA, à l'époque, parce que maintenant c'est master, lui, il était sur le lit, et la dame était sur cette table en train de rédiger son mémoire. Ce qu'il y a, c'est que avant, le monsieur, il sautait par la fenêtre pour voir la dame en cachette. Des 6 bâtiments différents pour les résidences, ce qui fait que vous n'êtes pas sous le regard constant de personnes à l'entrée, vous n'êtes pas surveillé, vous vivez en une indépendance très appréciable. Et c'est une chose qui n'existe pas. Que je sache, ça n'existe pas ailleurs à la cité. Et c'est important, c'est un des problèmes, c'est un des aspects Wild West, comme on a pu dire, de la Deutsche. Et c'est une chose qui, je pense que vous êtes tous absolument de l'âge où il faut avoir ces libertés-là. Ce que vous trouvez évidemment ici, c'est un lieu qui est très étrange, très insolite dans le monde et qui a un côté, comme on dit toujours, utopie. Ce n'est pas seulement une utopie, il y a beaucoup d'aspects extrêmement, problématiques de la vie moderne. Mais enfin, vous avez cette grosse communauté qui vit dans un monde un tout petit peu comme un aquarium, mais un aquarium très agréable.